Pat ? Il a oublié son téléphone apparemment. Tant pis pour lui. Tu te souviens des meilleurs jeux RPG stratégie des années 90 et 2000 qu'on collait toute la night ? Alors tu vas kiffer Vikings. Laisse-toi pousser la barbe, chope l'âge, débouché et viens pousser la gueulante avec nous. Aouh ! Aouh ! Aouh ! Tu peux récupérer ton bateau ? Non, tant pis. Je vois que tu connais les bons jeux, hein ? On est déjà 12 millions à flotter. Ouais. Viens avec nous, tu vas flotter aussi. Pourquoi pas, j'espère qu'il y a de la gonzesse. Tu peux télécharger le jeu dans la description. Je t'ai mis un bouclier avec et 200 gold, fais-toi plaisir. Pourquoi je parle comme ça, moi ? Et voilà, sois prudent, d'accord ? Je me casse ! Salut, Nico ! Ah, ça commence très fort, hein. On est clairement sur un grand frère irresponsable, tout à fait. Aucun parent dans la maison, je... Non, parce que l'aîné a quand même laissé le petit dehors en compagnie de l'ouragan Katrina, je sais pas si ça... Georgie, tu peux me descendre ça à la cuisine, s'il te plaît ? Oui, t'es gentil, merci. Fais juste attention aux escaliers quand tu dis... Ça va, y'a pas eu de... Georgie ! Tu as quand même raté quelques cours de motricité, hein ? Tu veux le récupérer ? Le gosse est quand même posé dans une flaque en train d'avoir une discussion avec un clown qui vit dans les égouts, hein. Je ne sais pas si ça étonne quelqu'un. Et vous êtes propriétaire ou locataire ? Georgie, on t'a jamais discuté avec les gens qui se trouvent dans les égouts ? Désolé, il avait une tête marrante. Il avait une tête marrante, oui, c'est vrai que ça justifie absolument tout, Georgie. Ah oui, quand même, d'accord. Mais connasse, c'était avant qu'il fallait se poser des questions. Là, c'est trop tard, il est parti. Un peu Georgie. Ah, on est sur une intro en grande pompe, hein, c'est sûr. Et vous allez voir, l'introduction des gosses est pas mal non plus. Allez, appuyez. Tu peux avoir que deux places dans ce monde. Tu peux être de ce côté, avec nous, ou tu peux être là-dedans. C'est quoi le rapport ? C'est un putain de mouton, mon gars ! On fait quoi demain ? Je commence à m'entraîner, je t'entraîne à quoi ? À Street Fighter. Tu passes tes vacances enfermées ? Bah, c'est mieux d'être dans ta mère. Torime. Mike, enfin, tu pas sur les mers, ça ne se fait pas, ça. T'as bien changé depuis Stranger Things, toi, hein. On a un nouveau rôle pour toi, Finn. Il est fin ? Un rôle où tu vas pouvoir niquer des mers, en dégâts. Ah oui, ok, d'accord, c'est pas trop, honnêtement. C'est fort différent de ce que je faisais avant, les gens, ils vont... Millie Bobby Brown ? T'inquiète pas pour ça, Finn, on a tout prévu. Oh, l'astuce ! C'est tes pilules contraceptives ? Ouais, je me les garde pour ta sœur, arrête de fouiller. C'est une des caractéristiques principales de ce groupe, hein, le manque de respect familial, ouais. Les New Kids and the Black. Non, mais en fait, j'aime pas. C'est nouveau. Et new, ça veut dire nouveau. C'est pour ça que tu les écoutes. Non, ça n'a rien à voir. C'est bon, je te charge. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Beverly Marsh. En fait, on était dans la même classe. Tu t'imaginais être dans sa classe depuis ta cour de récré ? Mais la vérité, c'est que vous avez 5 ans d'écart, les mecs. Oh, non ! Tenez-le. Je vais tailler mon nom sur ce gros tas de gelée. Oh, mais ça, c'est une bonne idée, tiens. Mais comme ça, on te retrouvera directement, c'est parfait. Les vacances scolaires débutent dans cette ville imaginaire et pour le moins démente des États-Unis, hein, quelques mois après la disparition du petit Georgie. Mais ce n'est pas le seul à avoir disparu. Et Bill nourrit cet espoir de retrouver son frère et de le refoutre à nouveau dans une autre merdasse. Ma mère veut faire un anévrisme, ok ? Si elle sait qu'on s'amuse à aller explorer les égouts. Si j'étais Betty Ripsom, je voudrais qu'on me retrouve. Et si j'ai pas envie de les retrouver ? Bah, tu serais un sacrifice de... J'ai pas envie de finir comme George... T'es genre de pote, en fait. Un poteau qui fait attention à son apparence, c'est tout. Il a pas tort. T'es aussi un encucu... La vache ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? À quel moment c'est devenu une chasse à l'homme, au juste ? Un homme qui aime lire. Respecté de tous. Sauf de la gente féminine. Va devoir mettre sa vie entre parenthèses pour fuir ceux qui ont tué sa famille. Ou peut-être que c'est juste parce qu'il est gros. Après voilà, je sais pas si c'est une projection de l'enfance de Stephen King, j'ai pas été checker son bidou, toujours est-il que niveau persécution, ils sont plutôt bien lotis, hein. Vous pouvez la sauter, il suffit de demander gentiment. Baston de cailloux ! Vous allez crever ! Les mecs se balancent des galets à 2 mètres de distance, comment tu veux que ça se finisse ? Les gars, je crois qu'elle m'attend. Ça va, ça va. Tes cheveux sont magnifiques. C'est gentil. Tu sais, je suis un petit peu le baroudeur du groupe, hein, donc si jamais t'as besoin d'aller découvrir un peu les environs... Dans le groupe, ils ont tous eu la charmante visite de ce clown, qui exploite en fait leur plus grande peur. Tu as donc des gars comme Mike, qui revit en fait la mort de ses parents dans un incendie. Oh, aujourd'hui est un grand jour. Passez un petit coup dans le four, on va voir Mike aujourd'hui. Mike.
Ou Bill, évidemment, qui a l'impression de voir cavaler son frère partout. Georgie, si tu veux faire flipper ton frère, c'est aujourd'hui. Je te prête mes gants. Si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi. Moi, ça m'intéresse pas de flotter, hein, Georgie. Et puis, tu as des gars un petit peu nuls. Un comédie qui voit en fait un lépreux parce qu'il est un petit peu hypochondriaque sur les bords. Alors, c'est le lépreux, ça fera l'affaire. Ou Stanley, par exemple, qui flippe devant un tableau. Quelqu'un a vu Jacqueline ? Really ? Et maintenant qu'ils ont tous vécu un truc chelou, ils comptent bien profiter de cet été pour percer le mystère de ces disparitions. Il est dans la maison sur Nibble Street. C'est là que ça vit. Même si le degré d'implication est pas forcément le même pour tout le monde. C'est l'été quand même. Faut s'amuser. Si vous continuez à m'emmerder, elle fait que l'été. Je veux bien, son frère a disparu, mais enfin bon, Salamèche va pas évoluer tout seul, hein. Ça nous a vu et ça sait où on est. Ça l'a toujours su. Ça n'habite pas loin et ça nous attend. Ça, je suis pas sûr que ça soit vrai, tu vois. Enfin, si, ça c'est vrai. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, si, justement, c'est ça. Oui, oui, je sais, c'est pas ça. Si, si, justement, c'est ce qu'il essaie de dire. Oui, d'accord, ok. Manquait plus que ça. C'est marrant, ça. Ils ont retrouvé un morceau de sa main déchiquetée près d'une bouche d'égout. Une fois, il m'a emprunté un crayon. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute ? Ils arrivent donc devant le repère du clown qui n'est autre que la maison la plus chelou du village. On devrait pas laisser quelqu'un pour monter la garde. Qui veut rester attendre dehors ? Je peux pas croire que j'ai perdu à la courte paille. C'est quoi leur règle en fait de la courte paille ? Parce qu'il y a quand même la moitié du groupe qui est encore dehors, hein. Bon bah je surveille, hein. Bon bah du coup, moi je la surveille en train de surveiller, hein. Moi, pour le peu que j'interviens dans ce film, je crois qu'on s'en fout un peu, hein. C'est encore la meuf qui porte la plus grosse paire de couilles, c'est fou ça! Les gars, où sont passés vos baloches? J'ai le bras pété tout de même, hein, les gens s'en foutent! Sortir et pas sortir! Oh merde! Alors là, en principe, vu l'état du clown, soit il arrête de se marrer et commence à grignoter tout le monde, soit il se barre le nez rouge entre les fesses. Apparemment, il a fait son choix, hein. Mec, il faut choisir maintenant, il faut choisir! Ok, très bien, donc on aboutit sur une lacération totalement gratuite alors, hein, d'accord? Je vois que tout le monde s'amuse à griffouiller le bide du petit gros, alors pourquoi pas moi? Le gars a son estomac qui fout le camp, mais en détente, le mec. Où crois-tu aller comme ça ? Voilà autre chose, là, maintenant. Tu te remets à peine, tu es encore malade. Séquestration infantile, hein, c'est vrai que ça peut être pas mal, ça. C'est des placebos. Ça ne sert à rien. Wow, mais que de suspense, dis donc. Quoi ? Ben, viens voir. Tu vas voir par toi-même. Oh, trop bien, encore une situation déséquilibrée, j'adore ça. Désolé, mais faut que j'aille voir mes amis. Non. Bah déjà, oui, non, c'est nul à chier, en fait. Au revoir. C'est sur un peu mouillé alors, d'accord. Si jamais Bill n'était pas parvenu à convaincre les autres d'aller finir le clown, la petite Beverly vient quand même de se faire kidnapper, hein. J'ai choisi la fille par pur hasard, évidemment, hein. En soi quoi ? Bah, on la connaît pas depuis longtemps, hein. Et puis bon, j'ai pas l'air d'être son genre, donc qu'elle soit là ou pas là. Tu vas la boucler, rentrer dans cette maison. Ok. Approche, Beverly. Ça fait plus à l'aise quand je danse ? Un petit revenant. Mike ! Mike ! Bon bah c'était une apparition somme toute assez brève. Mike, ça va ? Ouais, ça va. Ouais, ça va, d'accord. Le gars vient de tuer un mec, mais c'est pas... ça va quoi. Bill ! Allez-vous-en ! On est dans une porcherie, c'est ça ? Tu me traînes dans ces égouts de merde, tu m'amènes dans une baraque de camé. Et en plus, je vais devoir buter cet enfoiré de clown. Mec, dépose cette batte. T'as 10 ans, quel poids tu te penses avoir ? Bienvenue chez les ratés, bouffons ! Bravo, je suis coché en mode dent pointu maintenant ! Au final, avec un travail d'équipe et un clown particulièrement nul au combat rapproché, ils parviennent à se débarrasser du clown. J'ai cru que j'étais morte. On jure tous ensemble. Si jamais ça revient, on reviendra aussi. Ensemble. Nous avons le tétanos. Et voilà, c'est déjà terminé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. On est en janvier 2018, on peut encore faire des bonnes résolutions, c'est possible. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le prochain MSF, je vous l'ai mis en sondage, d'accord, dans la petite bulle de l'île. Merci d'avoir maté cette vidéo, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. N'oublie pas d'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Chocolat. Mais personne te croit.